Et salut YouTube, je fais une petite vidéo ici vite fait pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je constate ce matin. Donc là on est actuellement en live Twitch et je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'ai constaté ce matin. Donc là ici je suis sur mon client Steam, hein, donc parce que je joue actuellement à Monster Hunter Rise sur PC. Et du coup en fait hier donc on était du coup le 22 janvier, il y a eu une mise à jour a été constaté donc sur Monster Hunter Rise, ce qui n'avait pas été le cas depuis je pense un petit moment. Et par contre du coup ce qu'on avait peur je pense s'est produit, donc c'est-à-dire que du coup là comme vous pouvez le voir il y a un petit peu des commentaires négatifs qui commencent à apparaître un peu partout au niveau de la page Steam ici. Et en fait, pourquoi? En fait, on a apparemment constaté pour beaucoup de personnes, pas pour ma part, mais je parle pour la majorité des gens qui l'auraient testé, qu'il y a eu en fait une incompatibilité avec le Steam Deck de Monster Hunter Rise qui a été découverte a priori hier. On ne sait pas vraiment si c'est suite à cette mise à jour qu'il y a eu hier ou pas en l'occurrence, ou si ça a été fait avant. Mais en tout cas, donc malheureusement, ce qu'on avait peur et qu'on espérait qu'ils allaient revenir en arrière, c'était ce problème de DRM. Le fameux problème de DRM qu'ils appellent du coup donc Enigma. Pourquoi du coup ça pose problème? Parce que pour le moment, il n'y avait plus de DRM sur le jeu. Et du coup, le jeu tournait très bien, il n'y avait pas de souci au niveau du PC. Pour ma part, là on n'a pas encore essayé, donc je referai peut-être une vidéo par après ou pas, ou je ferai autre chose, mais j'avais pas de soucis jusqu'à maintenant, à part peut-être une hausse au niveau des performances qui était peut-être de 2 à 3% peut-être max au niveau de mon PC, sachant que je ne joue pas avec une grosse config, hein, donc du coup au niveau du jeu, donc c'était pas non plus entre guillemets très notissable. Moi, je joue pour vous dire en élevé, donc et j'ai une RTX 3070. Donc, c'est pas non plus le jeu qui consomme le plus, mais j'ai quand même vu une différence aussi. En jeu, c'est assez perceptible, donc j'ai pas vu de grosses différences non plus. Mais je sais que y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler autour et qui disent que eux, par contre, ils ont rencontré des problèmes. Par contre, il y a ce fameux patch note en fait qui a été mis, j'ai l'impression, un peu en urgence hier, en disant réellement ce qu'ils ont fait. Concrètement, ils s'excusent en gros de la gêne occasionnée, mais ils parlent pas à aucun moment de ce fameux DRM Enigma. Donc on se doute qu'il est là. Maintenant, je vais pas faire entre guillemets, le procès de Capcom, hein, ici, hein, c'est pas le but, c'est juste de vous alerter. Et s'il y a quelqu'un que ce soit chez Capcom France ou ailleurs, entre guillemets, qui verrait cette vidéo, de juste, entre guillemets, peut-être remonter ces indications et de voir pour peut-être régler ça, parce que on est sur un problème, et on va pas rester là éternellement, je vais juste ici relancer le jeu pendant que je continue à parler. Du coup, moi, je vous fais ça, hop. Je relance ici. Si ça veut bien se lancer, voilà. Malheureusement, il y a des petites choses qui sont pas aussi bien qu'on espérait et qui se produisent. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu dommage ce qui se passe. Donc j'espère que ce sera vite corrigé parce que nous, on demande juste à jouer à proprement parler. Hein, donc c'est surtout ça qui est embêtant. Je suis désolé, hein, je fais en direct comme je disais, on est actuellement du coup sur Twitch, voilà. Donc là, normalement, c'est OK pour le jeu. Il va y avoir ici donc voilà tout qui se lance. Non, et en fait, du coup, comment c'est venu un petit peu ce problème de DRM? C'est suite à différents modes, malheureusement, qui étaient présents. Pas la majorité des modes, mais une minorité. Qui ont fait que, entre guillemets, Capcom, logiquement, on a eu marre, hein, ce que je peux comprendre, même si je pense qu'il y avait peut-être d'autres possibilités de régler ce problème-là. Mais voilà, ils ont décidé de remettre un DRM sur le jeu pour, entre guillemets, bloquer ces mods. Maintenant, concrètement, et je vais pas en faire de publicité ou quoi que ce soit là-dessus, mais.
Si vous cherchez un petit peu sur internet, il y a déjà des personnes qui se sont un petit peu déjà débrouillées pour un petit peu contourner ça, ce qui est entre guillemets dans un sens logique et dans un sens un peu dommage, parce que ben, finalement, ça montre un petit peu que si les modeurs veulent vraiment faire du modding, ils arriveront à le faire, quelle que soit la barrière, si je peux dire comme ça. Maintenant, concrètement, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Monster Hunter Rise, on avait le fameux DRM des nouveaux, qui est très connu sur la communauté PC, donc qui est souvent présent au début de sortie de certains jeux. Mais souvent, ce qu'ils font les devs, en fait, c'est qu'une fois que le jeu arrive à un certain temps, et à mon avis, je suppose, une certaine rentabilité, pardon, le jeu et ils enlèvent après les DRM. Donc du coup, tu te retrouves avec un jeu, alors on va dire un an peut-être ou deux ou après, où le jeu entre guillemets tourne correctement, il n'y a plus de problème, machin, et ainsi de suite, parce que c'est vrai que de nouveau, il est surtout connu pour entre guillemets pomper pas mal de ressources et au niveau des et avoir un mauvais impact au niveau des performances. Donc c'est souvent assez détesté des joueurs PC, surtout au début hein, de la sortie d'un jeu. Donc on a toujours un petit peu cette idée, tiens, qui va bien tourner parce qu'ils ont mis des nouveaux dessus ou pas, on sait pas. Là, ce qui s'était passé, du coup, c'est qu'ils l'avaient retiré sur Monster Hunter Rise, donc on avait regagné un petit peu en performance par rapport à ce que certains pouvaient avoir, si je peux dire. Et malheureusement, là, on se retrouve de nouveau avec un DRM qui est censé bloquer effectivement les mods. Moi, j'utilise pas de mods, donc je peux pas vous dire si ça bloque vraiment ou pas. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours dommage d'en arriver là, parce que pour moi, je trouve que c'était pas forcément la solution. Et je vais vous donner une petite piste par rapport à ce que moi, entre guillemets, j'aurais peut-être pu penser plutôt que faire ça. Plutôt effectivement de bloquer entre guillemets tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui se retrouvent impactées par ce DRM, alors que ils modent pas du tout, c'est mon cas, moi personnellement, même si c'est minime, je mode pas du tout mon jeu, donc je suis un peu déçu de ce côté là que on subisse le même cas pour une minorité de gens, si je peux dire. Même si au niveau des mods, la plupart des mods entre guillemets, c'est pas des mods non plus hyper agressifs, c'est des mods qui, entre guillemets, pour la majorité, change un peu le costume des personnages, ainsi de suite. Maintenant, effectivement, il y a eu des gros débordements par rapport à Street Fighter 6, où il y avait eu un skin de Chun-Li qui était très tendancieux, hein. On va pas rentrer trop dans les détails, mais qui va poser très problématique par rapport à ça. Et du coup, je comprends que Capcom ait décidé d'agir à ce moment-là, mais... Voilà, il y avait peut-être moyen juste peut-être d'agir de manière ciblement sur certaines de ces personnes plutôt que d'impacter la majorité de leurs jeux. Parce que là, moi, je vous parle pour le cas de Monster Hunter Rise Sunbreak sur PC, mais il n'y a pas eu que Monster Hunter Rise. Hein, il y a eu beaucoup de leurs jeux qui ont déjà été impactés, comme Resident Evil, il me semble, Révélation, qui avait parlé de lui il y a quelques jours. Il y a eu aussi le premier Dragon's Dogma, maintenant, parce qu'il faut l'appeler comme ça, parce que le 2 sort dans quelques mois. Et du coup, pour l'anecdote, moi j'avais réinstallé Dragon's Dogma, et quand j'ai entendu ce problème de fameux DRM Enigma, je l'ai désinstallé, hein. Clairement, je suis reparti jouer sur ma version console, et on n'en parle plus. Moi je l'ai désinstallé, n'ayant pas eu de problème quoi que ce soit, je me suis dit, je veux pas prendre le risque, et je l'enlève. Là, malheureusement pour Rise, je le fais pas, parce que je pourrais le faire, comme vous me direz, retourner jouer sur la console, parce que je joue aussi sur la version console, mais je joue tellement régulièrement à Monster Hunter Rise Sunbreak sur PC que ça m'ennuie de l'enlever, quoi. Juste à cause de ça, pour le moment, je croise les doigts, j'ai pas trop d'impact, donc je verrai plus tard si j'en ai ou pas, mais pour le moment, j'en ai pas énormément, donc je me plains pas de mon côté, mais tout ça pour dire où je voulais en venir initialement, c'est que, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est déjà peut-être sensiblement viser peut-être différemment le problème et peut-être avoir un moyen entre guillemets de contrer ce problème là. Je vais parler d'un jeu et entre guillemets que je suis pas forcément très fanat malgré tout et que par contre je trouve qu'ils ont eu une très bonne idée et pour ça on peut pas leur
leur cracher dessus, si je peux dire, c'est Bethesda et le cas, par exemple, que ce soit Starfield ou par exemple Skyrim plus communément et Fallout 4 par exemple. Les jeux Bethesda, de manière générale, c'est des jeux qui sont connus et un peu entre guillemets critiqués à cause de ça, parce que on a l'impression que les développeurs laissent un peu entre guillemets les joueurs et les modeurs terminer leur jeu. Je reviendrai pas là-dessus parce que c'est vrai ou pas, ça dépendra de chacun bien sûr. Juste pour vous dire que ce que je trouve qui est très bien, je parle pour le cas de Skyrim parce que c'est celui que j'ai joué le plus. Les autres, je peux pas encore trop en parler parce que ben, je sais que dans Fallout c'est également le cas, mais dans Starfield c'est pas encore implémenté, il me semble. Ça va sûrement arriver, mais c'est pas encore le cas. C'est que dans l'intérieur du jeu, il y a un sous-menu dans Skyrim qui vous permet de gérer les mods. Donc du coup, il y a les mods qui sont accessibles dans le jeu en lui-même, et vous pouvez accéder aux mods directement par rapport à ça. Bon, peut-être que ça aurait été peut-être une piste pour certains de leurs jeux, plutôt que de bloquer complètement l'accès aux mods, juste peut-être d'intégrer un petit menu en disant « bah voilà, si vous voulez faire des mods, vous pouvez faire des mods, et nous on tolère cela par exemple », plutôt que de te dire « bah non, tu peux plus rien en faire ». Parce que ben, c'est vrai que sur PC, ben, on a l'habitude de pouvoir un peu faire ce qu'on veut avec tout et rien, si je peux. Excusez-moi, si tout et rien, si je peux dire. Mais là, du coup, tout bloqué comme ça, de but en blanc, ben, comme beaucoup le diront, c'est relou, quoi. C'est relou. Donc j'espère qu'ils trouveront vite une solution, qu'on enlèvera vite ce nouveau DRM Enigma qui, pour le moment, ne sert à rien, concrètement, hein, on ne veut pas se mentir, il ne sert pas à grand-chose, à part embêter le monde et répercuter une mauvaise image au niveau de Capcom, qui avait réussi à remonter dans l'estime de beaucoup de joueurs, après ces quelques années de problèmes qu'il y a eu ces différentes années. Mais là, fort de constater que mauvaise décision est occupée de se faire, et du coup, voilà, quoi, c'est un peu dommage. Et j'espère qu'ils vont vite réaligner un petit peu le tir pour corriger le truc, parce que là, entre guillemets, ça arrive, entre guillemets, ça arrivait sur Monster Hunter Rise, mais pour les joueurs de World, attention, ça va arriver aussi. Donc, je sais pas à quel moment ça arrivera, mais s'ils ont décidé de mettre ça sur tous leurs jeux, c'est qu'une histoire de jours, peut-être de semaines. Donc, méfiez-vous. Pour ceux qui n'aiment pas du tout tout ce qui est DRM, ben, préparez-vous peut-être à... soit de faire quoi que ce soit qui est libre de votre choix, ou à désinstaller le jeu, hein, simplement, et de repartir sur une autre plateforme. Mais voilà, méfiez-vous quand même, suivez un petit peu ce qui se passe. Moi, j'essaierai de vous en parler si je le vois passer, parce que j'ai toujours aussi World sur mon PC, donc je le verrai s'il y a une mise à jour qui se passe actuellement également. Et si y a des gens qui parlent de ça autour de ça, j'essaierai un petit peu de relayer également l'info à mon petit niveau. Mais voilà, ce que j'ai peur surtout, et je terminerai là-dessus, c'est que j'espère qu'ils vont pas faire le même, la même chose avec Dragon's Dogma 2, parce que ça peut leur poser problème à la release du jeu, surtout qu'il sort au mois de mars, hein, donc ça arrive bien vite. On sait qu'on se doute qu'il y aura des nouveaux, donc ça passe encore, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problématiques autour du jeu et que la communauté ne va pas backlash le jeu à cause de ça. Donc on va suivre ça et j'essaierai d'en parler également par rapport à ça. Donc c'était une petite vidéo, je ne sais pas à combien j'en suis, donc j'en suis quand même à presque une demi-heure de truc, je pense. Donc peut-être 20 minutes, je ne sais pas, donc c'est peut-être un peu long, vous m'excuserez. Moi je dis salut YouTube et nous on continue sur Twitch, donc je vous dis ciao ciao.